les autres vous ignorent par snobisme. Le snobisme consiste à discréditer une personne en usant de l'indifférence. Il s'agit d'une forme de violence morale ou psychologique. Snober une personne équivaut à son élimination symbolique. Les différents niveaux du snobisme. Le discrédit ou l'élimination symbolique n'a pas toujours la même intensité. On peut snober socialement une personne. De telles pratiques sont également pratiquées socialement ou collectivement. Il ne s'agit pas toujours, dans ce cas, l'intimidation directe, l'indifférence suffit à faire sentir à l'autre que son identité même ne compte pas. C'est ce que font souvent les gouvernements et les gens à l'égard des personnes qui vivent dans la pauvreté. Cela peut également se produire au volant d'une automobile. La bureaucratie est elle aussi experte à l'art de snober les usagers. C'est par exemple le cas lorsque vous devez faire une démarche administrative et que l'administration abuse de votre temps. On vous envoie ici et là. Les formalités sont parfois cumulées. Combattre le snobisme. Le snobisme fait germer la violence chez ceux qui sont victimes solitaires. Cette violence accumule et finit par être retournée soit contre